Bonsoir et bienvenue à vous tous, mes chers amis Capricorne, pour votre tirage complémentaire sentimental. Vous le savez, tous les soirs, je suis là avec vous à 19h30. Donc, on est parti, on y va. Hier, on a vu le tirage « Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas ». Alors, on va voir maintenant, un début de réponse en tout cas, comment faire pour... ce mois d'octobre pour que tu puisses arriver à t'aimer davantage et trouver des réponses par toi-même. Ok ? N'oublie pas que je ne suis pas un sauveur, je suis ici comme guideur et accompagnateur. Et c'est à toi et toi seul que tout simplement les réponses doivent être trouvées. D'accord ? Alors c'est parti, on y va. Pour te remercier à la fin de ce tirage, un petit message du petit oracle des anges qui est très connu. Voilà, vous le connaissez peut-être pas, mais je pense pas. Voilà, si vous êtes là, vous le connaissez bien celui-là. Voilà, hop, un petit tirage en croix, très simple. Prenez vraiment ce temps là pour vous, pour respirer, pour... vous détendre pendant ces 5 minutes, 5-10 minutes que je suis avec vous. Ok ? Écoutez cette musique tranquille. Voilà. C'est très important. D'accord ? Pour vous. Hein. Pour moi, ça change rien, mais pour vous, ça peut changer beaucoup de choses. On est parti avec la première lame qui vous en dit que vos atouts, les éléments positifs pour ce mois d'octobre. On a ici la lame du choc du changement. Hier, vous avez vu que comment faire pour accepter votre pouvoir et comment faire pour changer ce que vous aimiez pas. D'accord ? Donc ça a été un choc et ce soir, eh ben, ensemble, on va voir comment faire pour supporter ce déclic que vous avez entendu hier, cette nouvelle perception de voir les choses. Voilà, parce que la vie est changeable, le changement est inévitable, le changement est automatique, d'accord ? Je prends l'exemple que si tu manges dans des fast-foods tout le temps, tu vas grossir, d'accord ? Donc le changement est automatique, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à effectuer. Par contre, l'effort, l'évolution, la progression va te demander de créer un changement en toi. Et ça, c'est dur, ça fait mal, mais c'est par ce processus-là qu'il faut passer, en tout cas, si tu veux améliorer ta situation actuelle. Donc, bien sûr, ici, on a vu les obstacles qui t'en empêchent. C'est les visions audacieuses que tu ne mets pas en place. Alors, bien sûr, c'est difficile pour beaucoup d'entre vous de fermer les yeux, de se poser, de calmer ses agitations mentales antérieures et de trouver tout simplement les réponses qui se trouvent en vous. Fermez les yeux, écoutez une belle musique et tout simplement voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous voulez dans votre futur. Vous êtes ici avec moi, bravo, bravo, félicitations parce que vous prenez votre vie en main dès maintenant. Ayez ces visions audacieuses d'un futur meilleur. Le passé est terminé. Comme vous le voyez, il n'y a que le présent et le devenir. Donc, c'est là, maintenant, que vous allez créer en vous un changement et visualiser votre meilleur vous plus tard. Comme si il faisait partie d'une réalité parallèle. D'accord ? Votre meilleur vous est dans le futur, vous fermez les yeux, vous vous imaginez comme si, comme vous voudriez être dans 5 ans ou dans 10 ans,
Et à force de répéter antérieurement, il y a de grandes chances que cela se produise, comme par magie. Bien sûr, testez-le par vous-même si vous ne me croyez pas. La troisième lame ici, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ce que tu es en train de me dire, Fab, ou pas? N'oublie pas que je suis cartomancien et que je suis très visionnaire et que j'ai ces visions audacieuses et je sais de quoi je suis en train de t'expliquer. Voilà. Donc je sais que personnellement, pour moi, ça en vaut véritablement la peine. Mais encore une nouvelle fois, ne me crois pas, mais teste-le par toi-même. D'ailleurs, si tu es là, c'est que tu as déjà testé ce que je t'ai expliqué dans d'autres guidances, dans d'autres vidéos, et ça a fonctionné pour toi. Donc voilà, c'est très important que tu prennes ce déclic, que tu saches que le changement est inévitable et que tu vas vers un avenir meilleur. Mais c'est en prenant cette décision dans l'instant présent que les changements vont arriver. Donc ici, sur le long terme, on vous indique, soyez le chasseur, pas le chassé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que si vous augmentez vos vibrations, là, dans l'instant présent, là, ici, maintenant, d'accord, tu ressens l'enthousiasme que je t'envoie, l'énergie. Alors, il y a de grandes chances que ton futur s'améliore. Parce que si tu manques d'énergie et que tu es à plat comme ça en ce moment et je suis fatigué, rien ne va se passer. Dans 5 ans ou 10 ans, tu seras pratiquement au même endroit, voire pire. Donc, si tu es ici avec moi, je ne veux pas de ça pour toi. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Évidemment, évidemment. Mais teste ce que je suis en train de t'envoyer comme message. Alors, bien sûr, la dernière lame ici est la plus importante. C'est la synthèse de ce tirage. C'est d'écouter la vérité. Et la vérité, il n'y en a pas qu'une. Il y en a des milliards, des milliards et des milliards. Donc la seule et unique vérité est celle que tu écoutes en toi. Donc pose-toi, d'accord? Mets-toi à nu, d'accord? Et écoute l'intuition qui est en toi. Et tu sauras pourquoi tu es venu ici sur Terre. Bah, tout simplement, moi, j'ai fait ce travail, je fais ce travail hein, tout le temps, jusqu'à la fin de ma vie, en tout cas jusqu'à la fin de cette vie terrestre. Et je suis ici comme accompagnateur, guideur, comme messager. Donc, voilà, je suis pleinement dans ma mission de vie et je suis là pour toi, totalement dévoué et engagé, pour que toi aussi, tu puisses écouter ta propre vérité et trouver en toi les clés qui vont te révéler. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé, elle t'aura boosté, elle t'aura fait prendre un déclic. Si ça a été le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater toutes les autres vidéos guidance que je t'offre. Bien sûr, tu peux aller plus loin en t'offrant l'un de mes livres, l'une de mes méthodes que j'ai créées pour toi, car tu le sais, je suis totalement engagé pour que toi aussi, tu réussisses à accomplir ta destinée. Donc voilà, tout simplement, je t'invite aussi à partager cette guidance à tous les Capricornes que tu connais parce qu'ils en ont grandement besoin, surtout d'écouter leur vérité aussi. Donc voilà, pour te remercier, je vais t'offrir une petite lame du petit oracle des anges et comme tu le vois ici, c'est marqué lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je te laisse méditer, réfléchir sur ça. Je te remercie de ton abonnement et je te dis à demain.